Pouf ouf YouTube, pouf ouf Loïc. Ouf ouf. J'ai cru qu'il était AFK. Les gens, aujourd'hui pour cet épisode 4, cuisine et explication de 2-3 crafts parce qu'on commence à bien peser dans le game. Et voilà, on va pouvoir être tranquillou. Tu sais quoi, je m'occupe de la bouffe. Donc je surveille un peu ce que je fais. Je surveille un petit peu ce qui se passe. Hop là. Je vais aller chercher les restes humains. Tiens, on va bouffer les restes humains. Je me demande si je les ai pas mis de l'autre côté. Alors la bouffe, faut faire gaffe si je les ai mis de l'autre côté. La bouffe, faut faire un peu gaffe parce qu'il peut se passer quelque chose d'horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est quoi ça? Barricade. Ah, une protection faite de pierre, on va la mettre en bas. Avec la bouffe, on peut rater ce qu'on fait. Hein. Donc genre, si je veux, je peux mettre ça là. Pour se protéger, ça peut être stylé. Tu sais quoi? Je vais le mettre là. Ben ça, du côté du champ, plutôt. C'est non, mais je le mettais là, comme ça, si jamais on nous fait péter la maison, si on veut, on peut se planquer derrière, tu vois. Si jamais notre porte, elle explose. Regarde, on se met derrière et on peut défendre. Et peut-être que même ça masquera un peu les flammes de l'extérieur. Ça peut être bien stylé, ça. Donc, je vais aller chercher les restes humains. Voilà. Ça, c'est du poulet cuit. Ça, c'est de la viande de loup cuite. Faut pas le laisser trop longtemps, sinon, on laisse tomber. Ça fait de la bouffe dégueulasse. Après, elle est cramée, tu peux plus rien faire. Ce travail de castor, Ricky, bien évidemment. Ricky, pareil pour toi, jeune modo. Je t'invite à lire un petit peu ce qu'il faut faire en commande et tout, vu que t'es modérateur. Tu trouveras ça dans la description ou sinon, Sim t'enverra le lien. Ah, hop là, petit dessin. D'ailleurs, il y a des reboots serveurs, faut pas oublier. Toutes les 4 heures à partir de minuit. Voilà, donc là, on prend tout, on va pouvoir... Ah, oh, ça fait bête parce que le conteneur est juste immense. Hein. Je sais pas si on peut le casser. Attends, et si je tape dessus comme ça? Ouais, il doit y avoir moyen de le casser, mais je pense pas que tu pourras le récupérer après. Ouais, non, bah tant pis, alors je le casse pas. C'est pas grave. Bon, j'arrive. Je vais m'occuper de la bouffe. Watch. Et là, vous voyez les murs se construire devant vous. Ça, c'est la... Ça, c'est la magie de Rust, ça, les gens. Voilà. Petite maison. On pèse. On pèse dans le game. La maison est vraiment stylée, je trouve. T'as trouvé ou pas l'interrupteur? Ah merde, putain, j'ai merdouillé de la bouffe. Viande de loup grillée. On va faire chauffer ça, les trucs humains. Je l'avais mis en bas, je crois. C'était près du... C'était près du campfire. Oh non, me dis pas que ça s'est perdu. Oh non, fais chier. Oh, c'est pas grave, on fabrique, on mettra des clés pour commencer. Ouais, 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 non mais sinon c'était... On n'a pas encore les... On n'a pas encore les plans de la dernière fois. Ah oui, il faut 100 fragments de métal. Ouais, attends. La viande humaine cuite. Donc oui, on peut devenir cannibale. A noter que la viande humaine, bah, c'est de la viande. Voilà, pour ceux qui sont un peu à caca. Non, ça se bouffe. Ça se bouffe très bien, même. On va se dire faire des clés. Ouais, ouais, ouais. Moi, je m'occupe de la bouffe. Tu es très beau. Merci, le puté, le petit liberge. Toi aussi, tu es très beau. Allez, hop. Je te mets de la bouffe dans le conteneur. Évite de bouffer la viande trop cuite. Ouais. Tu en as vu. Et moi, je vais bouffer tout le poulet, vu que j'aime bien le KFC. Oh là là. Tellement c'est stylé où on habite. Alors, hop. L'eau cuite. Tiens, je te confie une clé. Faudra pas la perdre. Merci. Faut l'avoir sur soi. Rappelle-nous comment ça marche, tes clés. Bah, en gros, faut laisser verrouiller le machin. Tu laisses rouge et puis tu fais E, mais seulement sur la porte. Ok, attends, je vais sortir, je vais jeter la clé. On va voir si ça marche bien. Ok. Ok, et si je prends, touche à rien. Ok, parfait, ça marche bien. Parfait. Ouais, donc il faut bien mettre le verrou sur rouge. Sinon, là, tout le monde peut rentrer, en fait, vu que c'est mis sur vert. Alors que là, hop là, s'ils n'ont pas la clé, d'un côté, si on me tue, la personne pourra revenir ici et nous piquer. Bien évidemment. Mais nous, contrairement à l'autre, on s'est pas collé.
à des cailloux. Du coup, ça va être plus chaud pour les gens de venir chez nous. Allez, farm pour améliorer vos murs. Ouais, mais tout ça, les gens, ça prend du temps. Faut penser aussi à notre survie. Hein. Si on améliore notre base pour mourir dans une heure, ça sert à rien. Faut qu'on ait de la bouffe, qu'on ait de quoi respawn ici. Et après seulement, on pensera à la base. Parce que pour le moment, il n'y aura pas trop de raids. On est à peu près tous au même niveau, vu que le serveur vient d'ouvrir. T'as du bois, par hasard? Ouais, ah ouais, j'en ai beaucoup, même. Je vais t'en mettre 262 par terre. Cherche pas, je t'ai tout filé. Non, si, c'est bon. Okay, tu vas mettre des fenêtres ou pas? Ouais, on va mettre des barreaux. Après l'instant, il n'y a pas trop d'importance. Je crois pas qu'on peut passer. On s'est pris une flèche sur la gueule, non? Regarde, regarde, regarde. Pas plus. C'est pas plutôt la pluie? Non, non, regarde, regarde là. Oh là là, oui, oui, oui. Oh, ça pue. Les gens, ça sent pas bon. Ça, vous voyez ça? Là, la flèche qui est mise là. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est quelqu'un qui nous l'a tiré dessus. Donc ça veut dire... Ouais, je viens de poser le mur, donc c'est il y a pas longtemps. Hein. Donc c'est toi qui étais visé alors, Loïc? Ah, possible. T'as bien fait de pas mettre de fenêtre en bas. On est attaqué. Ok, donc il y a déjà des gens autour. Faudra faire gaffe à ça. Je me fais un pic, je vais passer pour t'en faire un. Vas-y, vas-y. Moi, je bouffe à fond, histoire d'avoir la bouffe à fond. Hop là. Pour remplir la jauge en bas, en fait. Parce qu'en fait, tant qu'elle n'est pas à 100%, si on veut, on peut bouffer à fond, en fait. Ça revient au même. Il y a bien ceux qui arrivent, les gens. De toute façon, on a le lit. Hein. Ouais, on recrutera des gens, les gens, dans l'équipe. Mais pour le moment, vu que le serveur a ouvert, bon, on n'allait pas attendre de faire un recrutement et tout. Si on croise des gens sympas, bon, on verra. Peut-être qu'on les tuera ou peut-être pas. Manger. Il va se cacher dans les cailloux, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est bon, J'ai vu le mec. Il est où? Il est sur la droite des cailloux. Sur la droite des cailloux, à droite de notre... Tu vois, on a notre coffre là-haut. Il est un peu à droite. Le caillou sur la droite. Mais là, il s'est caché. Il se cache derrière. Il doit nous entendre. Il est à droite. Il peut pas nous entendre. Il on parle sur magique TS. Et... Ah oui, TS. Non, enfin, Twitch, tu vois. Magique, ouais. Et il entend tout ce qu'on dit. Je vois pas où il est. Ah ouais, puis il a mis la flèche bien dedans. Tu t'es repris une flèche sur la gueule? Mais j'ai fait un. Ouais, non, non, c'est bon, mais il a retiré une flèche sur la baraque. Elle va mourir! S'il a une armure, elle va mourir! Va mourir! En dessous, les deux sur lui, il pourra pas faire grand chose. Ouais. Ah ouais, bah c'est sûr. Mais par contre, il peut aussi nous défoncer tous les deux, ni vu ni connu, tu vois. Donc c'est chaud. Fais un anti-échelle. Ah oui! Faut empêcher les gars de construire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'empêcher de construire autour? Ouais, il faut 1000 de bois. 1000 de bois? J'en ai 340 sur moi là, t'en as combien? Ouais. J'ai pas assez. Tiens, je te file tout ce que j'ai. J'ai 300. Tiens, là. J'ai un pic. Vas-y, 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 là, 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 Loïc. Prends devant. Ouais, je vais prendre, je vais prendre. Vas-y. Ouais, c'est chaud. C'est vrai que l'anti-échelle, ça peut être une très très bonne idée. Je vais déjà aller voir si je peux essayer de le péter un peu au pic. Je te laisse ma clé. Vas-y. Tu restes dedans à l'arc. Vas-y, vas-y. Elle est où ta clé? Mets-le dans le coffre, va. Mets-la dans le coffre, ça revient au même. Attends, je vais devoir t'ouvrir alors, je vais venir avec toi pour t'ouvrir. Ouais, et prends rien du tout, juste histoire de lui niquer sa race. Bah, faut que je te file du stuff alors. Bah, mets dans le coffre, ça revient au même. Bah, assez de place, mais y'a pas assez de place dans le coffre. Mais dans le feu de camp, sinon je sais, c'était une astuce avant, on pouvait mettre ce qu'on voulait dans les... Bah si, on peut toujours. Regarde, mets dans le feu de camp, tu peux mettre ce que tu veux. Ça, c'est une astuce que je vous montre, je devrais peut-être pas vous la montrer. Mais depuis que je joue à Rust, j'utilise toujours les feux de camp pour mettre des trucs importants en fait. Parce qu'il y a un moment on pouvait pas, maintenant on peut. Je pense que je vais y mettre un peu à ce jeu. Le jeu est vraiment excellent. Hein. Et surtout maintenant, enfin regardez-moi comme il est stylé quoi. Donc voilà, le serveur a rouvert aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour ceux qui se demandent, c'est le 21 septembre 2015. Donc on reprend la série aujourd'hui. Je sais pas si le gars est toujours là, mais tu peux aller checker. Bon, un truc de sûr. Non, je te dis rien, je te dis rien. Mais vu qu'il nous a tiré une flèche, disons que ce sera pas notre ami, tu vois. Tu lui défonces sa race. Avec ça, pouf pouf. Ah bah, il y en a...
Vas-y, ouvre-moi, je vais aller te chasser. Vas-y, je t'ouvre. Est-ce que tu pourras me whitelist pour le Rust, tout le monde peut venir pour le moment. Après, si ça dégénère, il passera whitelist ou que sub, mais pour le moment, tout le monde peut venir. Vu qu'il vient d'ouvrir, donc il n'y a pas de soucis. J'espère qu'il a pas tout. Alors le coffre il est vide, il s'est servi le coffre. Non, il était déjà vide, je crois que j'avais tout pris. Ah, c'est toi qui l'as vu. Ouais, j'étais même en train de tirer dessus pour le casser. Il était là juste. C'est bien parce que là, les gars. Là, les gars, on les verra venir de loin. Moi, je serais lui, je me serais mis là sur les cailloux en fait. Je crois en toi. Je crois en toi, Loïc. Je suis juste où il était avant, là. Après, il est peut-être parti, hein. Ouais. Je vois rien. C'est peut-être fait une base à côté aussi. Une base. Ah bah, tant pis pour lui, hein. Si on lui raidera. Il y a un bout de fond. Là, il y a un bout de fondation. Il a commencé à faire une fondation à côté? Oh non, mais dans des cailloux. Ok. Concentre-toi sur le bois, non? Il est là! Attends, c'est toi qui es là-haut sur les cailloux? Là, oui, c'est toi qui es en face, là? Saute, là. Ok, c'est toi que je vois, c'est bon. T'as du bol. Parce que... à 3 secondes près, c'est tiré. Ah, t'es sorti avec tes habits et tout. Ouais. Bah, c'est plus protégé. Ok. Il a dû se barrer. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je vois rien du tout. J'allais voir dans le coffre du haut. Ouais, on a toujours le piège à ours de départ. Ouais, on l'a trouvé, on le garde, hein, bien évidemment. Hop, ça là. C'est toi qui reviens? Ouais, c'est moi. Ok, je tourne. Attends, je vais aller chercher futé pour chercher du bois, comme ça on va se faire. Ok, bon, je referme alors. Tu sais que j'ai toujours mon piège à ours, hein. 600 de bois, ouais. J'ai toujours mon piège à ours, il y a moyen qu'on... Tu l'as pas posé déjà? Non, j'en ai pas eu besoin. L'ours, je te l'ai défoncé de 2 flèches, donc c'était cool. Mais si besoin, le piège à ours, on peut le planquer devant en mode discret, tu vois. On dit rien, on le pose offline. La vallée est magnifique, hein. Hors vidéo. La vallée, elle est vraiment belle, hein. Ouais, c'est magnifique qu'on est. Où il y a le désert, là. C'est magnifique. On a eu du bol, je pense. Le biome est très sympathique. En plus, on est loin de tout, c'est hallucinant. Hein. Bah bon, mon flair de policier était là. Hein. J'ai vu la petite flèche, j'étais... Attends, c'est pas normal, ça. Il y a une flèche. Et voilà, les gens. Policier Alexide, hein, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça ne s'invente pas, les gens. Bienvenue à tous. Pouf, pouf. Bientôt 300 viewers, les gens. C'est beau. Ouais, je sais pas où il est, le mec. Ah, c'est 1000. Je fabrique déjà l'armoire, je suis en train d'arriver. Vas-y, parfait. Tu me dis quand je t'ouvre. Comme ça, je t'ouvre direct. Je suis prêt, collègue. Je suis prêt. J'arrive. Je suis prêt. Sniper Robin des Bois. Exact zéro. Exact. C'est pour pas que tu restes devant la porte bêtement, sinon il va te one shot hyper facilement. Hein. Ok, la nuit va se lever. Et prends un max de bois pour la nuit, tu sais qu'on soit pas. C'est toi qui reviens? Ouais, c'est moi. Oh là, je suis devant. Ok, parfait. Merci, chef. C'est rien. Ta clé, elle était où? Tu l'as mis dans le coffre en haut, la clé? Ok, il faudrait du bois pour le campfire en bas. Vend lance-roquette, plus tous les plans de roquettes pour 20 000 poudre canon. Voyons, qui c'est qui t'achèterait ça?
Il est fou. D'ailleurs, j'ai vu un script pour faire des trades. Ça peut... On verra peut-être par la suite. Je trouve que la série sera bien avancée. Mais si on veut, parce que là, le serveur est modé, on peut mettre pas mal de trucs plutôt badass. J'avais vu ça. Donc, on mettra peut-être d'autres. On mettra peut-être d'autres. Ouais, sur le serveur, il y a les hélicos qui défoncent les maisons. Ouais, mais dit comme ça, ça donne pas envie de continuer à faire des maisons. Ça donne pas envie. Alors, il te reste un peu de bois ou pas? C'est en train de faire l'armoire, donc. Non, mais du bois pour moi, parce que je t'en ai filé, mais j'en avais besoin aussi pour ma consommation personnelle. Tiens. Merci. Le high loot a disparu? Bah, je l'ai enlevé du titre, mais le script, je l'ai remis. Dans la console, le script, il s'active. Il me dit à chaque fois dans la console, je vais vous dire ce qu'il me dit. Il me dit better loot, machin chose, better loot, machin chose. Voilà. Après, si ça marche pas, tant pis, je le dégage. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je vois qu'on est 10 sur le serveur. Attention. Oh putain, Cobra, il a 281 heures de jeu. Ça pèse. Ça pèse, ça pèse. Il y a l'armoire en haut, il faut juste que tu autorises dessus. Vas-y, tu m'autorises? Il faut que toi t'ailles cliquer dessus. Vas-y. Ouais, il y a une limite de ping. Allez, de 300. Voilà. Putain, comment t'as fait pour répondre aussi vite? Parce que j'ai vu son message. C'est beau, vas-y, on va remettre un peu le feu. Il est où le bois? Attends, j'avais ramassé. Ah, il est là. On va mettre que 6. Oh, le tissu! Putain, faut pas mettre le tissu dans le feu. T'imagines si le tissu, il prend feu? Parfait, t'as récupéré ta clé? Non, pas encore, mais de toute façon, elle reste là. Ok. Du coup, on n'est pas en protection en haut, en fait, avec les fenêtres et tout. C'est un peu chaud, du coup. C'est un peu chaud. Je vais refaire une caisse de stockage. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Une outre, j'en ai trouvé une normalement d'outre. Transporter de l'eau. Atelier de réparation, ça pourrait être pas mal. Oh, une carte en papier. Vous aide à savoir où vous êtes. Faut 5 papiers. Qu'est-ce qu'il faut pour... Comment on fait du papier? Avec du bois. Ah ouais, mais enfin, je veux dire, je pense que j'ai pas le plan. Merde. Papier. Ah si, papier, c'est avec 100 de bois. Donc en fait, il faut 500 bois pour faire la carte, ouais. Bon, ça va vite, mais bon, c'est chaud à faire quand même. Pourquoi il fait nuit? C'est toi qui as coupé? T'as le feu qui s'est éteint. Non, plus de bois, je pense. Non, mais... Oh putain, il a déjà tout bouffé. Waouh, c'est chaud. Viande de l'eau cuite. Petit charbon. Il y a un gars dans le champ, il y a un gars dans le champ. Il y a un mec à côté de notre baraque. Je vois rien du tout là, Loïc. Ah, bah, je me suis fait kick. Ouais, t'as trop de ping. Kick à cause de mon ping. Ouais, ouais. Je montais à la luminosité du jeu. T'as 4 roco. Oula, 100%, peut-être pas 100%. Bon, on va aller voir. Donc là, les gens, la luminosité a été augmentée. Hein, pour ceux qui se demandent. Il est où le gars, tu disais? Il était dans le champ côté montagne. Pas côté cailloux, mais côté la montagne. La grande plaine. Pour ceux qui se demandent, donc là Loïc a été déco, donc a été kické pour ping, mais quand on se déco, nos corps ils restent en fait. Du coup, disons qu'on est un peu plus faible. Oh, ça explose les yeux le gamin comme ça. On est un peu plus faible. Moi je pense que je vais rester en bas. C'est moi, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer. Il y a quelqu'un? Le faible. J'entends un hélico. Ah. On n'est pas en sécurité là, Loïc. Je suis pas bien. J'ai l'impression, il y a des gars qui disent qu'il y a un hélico. Qui est en train d'arriver. Bah, c'est à l'hélico, faut se planquer dans l'étage où il ne voit pas. Enfin, dans le rez-de-chaussée, du coup. Ouais. Ok. Est-ce qu'on va survivre? Je vais aller poser la caisse de stockage. Tu sais quoi, je vais en mettre une sous l'escalier aussi de caisse de stockage. Voilà.
Attends, on va mettre tout ce qui nous sert pas trop. Hop là. Hop là. La bouffe. Puis tous les outils un peu merdiques qu'on a mais qu'il faut réparer. Putain, on a même de la chevrotine. C'est pas mal ça. Attends, j'ai de la viande là. Hop là. Ah voilà, de retour. Parfait. Je continue à avancer. Bah, y a un mec endormi dans le champ. Endormi? Je vais aller voir. Ouais, t'arrives à m'ouvrir, je te... Vas-y, vas-y. Pour la mission suicide. Au revoir, soldat Ryan. Bon bah nous, atelier bouffe. Oh là 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 là. Ça m'étonnerait qu'il y ait... Enfin, un hélico, ça me paraît bizarre déjà. Je ne savais pas que l'hélico tirait des missiles. Ah bah si, il y a vraiment un hélico alors. Ok, ah, bon y bah... Y a un mec, là. Ça sent pas bon pour nous. Oh là là. Il a du stuff, il a du stuff, il a beaucoup de stuff. Il dort? Ah ouais, il fait dodo. Il est là-haut, Loïc. Vous voyez où je vise? Vous voyez pas, je vais vous monter la luminosité. Voilà. Bon, vous voyez, il est là-haut. Parfait. Ah, il est bien stuff, le... Tu peux tout loot? Ouais, je me sers. Vas-y, bah prends tout. Bon, il y a des trucs pas très utiles non plus, hein. Bah même, j'ai envie de te dire, vu qu'il est un peu près de notre base, faudrait mieux lui faire passer un message. Non? C'est toi qui tape là? Ah, il... non, il vient de se revivre. J'étais en train de le looter et il... Eh, dégage! Dégage au but. Attends, ça fait tellement peur, Loïc. Merci pour l'arc. Il court ou pas? Ouais, ouais, il est en train de se barrer. Je vais essayer de le buter, ton propre arc. Normalement, je lui ai enlevé César. Moi, je l'aurais défoncé, mais direct, c'est trop dangereux. En plus, à tous les... Ah, mais je l'ai mis un ou deux... Mais je lui ai mis un ou deux coups, mais là, il part en courant. Mystère, mystère, que faut-il faire? Si on te revoit, on te bute. Ouais, fais-lui peur, Loïc. Menace ses parents. Mathieu, pouf, pouf. Bienvenue à tous. Ouais, il y a un hélico qui attaque, exactement. Exactement. En fait, ils disent, trailer, il dit, faut pas montrer d'armes devant l'hélicoptère. T'es devant? Bah j'arrive là, c'est moi qui est en train de créer la maison. Vas-y. Ah ouais, en effet, quand on fait F1 item list, on a accès à toutes les armes du jeu et les ressources et tout. C'est pas mal, je savais pas ça. C'est toi? Ouais. Vas-y. Merci. Exactement, je ne savais pas. Donc là, c'est toutes les munitions du jeu. C'est juste assez hallucinant, tous les calibres qu'il y a. Les pièges, donc il n'y a pas beaucoup de pièges. Les misques, on peut faire une guitare. J'avais déjà réussi à faire une guitare la dernière fois, dans la dernière saison. Ah, il y a un silencieux. Les items, construction. Les trucs, les tools. Donc le C4, l'appareil photo. L'indicateur de ressources minières. Tiens, je connaissais pas du tout ce truc. En plus, c'est vachement joli. Ça fait un peu style RPG et tout ça. Master, bienvenue, merci du follow. C'est vachement stylé. La bouffe. Donc voilà, il y a énormément de choses. L'ammunition, les trappes et les weapons. Attention, ah ouais, silencieux, grande épée, grenade, holosight. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Bien stylé. Bien stylé, bien stylé, bien stylé. Ok, parfait, parfait. On est bien, on est bien, on est bien. On a de la... Oh putain, merde, j'ai encore raté la cuisson de la bouffe, fais chier. On a de la bouffe, on a des flèches, on a des morceaux de plan. Ramassez-en 20 pour fabriquer un plan ou 60 pour créer une page de plan. Sympathique ça, le petit recherche. Ah merde, putain, tous les coffres sont pris. Ah, c'est pas trop mal. Ouais, il y a peut-être moyen qu'on trouve des plans comme ça. C'est quoi? Ça, je vais le jeter, la viande cramée. Du charbon... Je le mets là, la graisse animale, on va le foutre là. Les cailloux. Ah, mais le mec, j'étais en train de le fouiller et puis il s'est réveillé. Bonjour. Il a dû le sentir, tu sais, qu'il y avait quelqu'un qui lui touchait les fesses. Il s'est dit, oula. Je lui ai tout de suite mis un coup de bâton. Tu l'as pas tué du coup. Qu'est-ce que t'as loot sur lui? Tu m'as pas dit ce que t'avais. 3000 cailloux. Pas mal de bois, des flèches, un arc, et puis c'est à peu près tout.
Qu'est-ce que tu peux améliorer du coup avec ces ressources avant qu'on finisse? Il y a un mec à côté, il y a un nouveau mec à côté. Oh, je pense c'est la guerre. Il est à genoux, il fait genre qu'il est planqué mais... Il est où? Dans la baraque. C'est lui qui toque? Ouais, ça toque. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, exact, y'a un gars. C'est qui? T'es qui? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, si tu parles pas et tu fais que toquer, on va devoir te tuer, là, je te connais. Bah, loot, je te l'ai one-shoté, ouais, il a peut-être un... Il a peut-être un copain. Oh, il a fait un de ses cris. Non, je vais aller voir. Je t'ouvre. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est juste devant. Il a son stuff devant. Ah, mais il a balancé plein de trucs devant la porte. Il nous donnait du stuff en fait, j'ai l'impression. Ok, bah. Je me sers. Merci, poteau. Tant pis. Oh, comment je l'ai one shot le mec, laisse tomber. C'était magnifique. Tu l'as mis. En pleine tête, magnifique. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe à l'arc. Faut faire gaffe. Bon, parfait, les gens, nous, sur ce magnifique free kill, nous allons nous laisser là-dessus, les gens. Retour de Rust, donc, sur la chaîne Vlog et Gaming, il y aura, je pense, un épisode tous les jours ou tous les deux jours sur le serveur. Après, bon, c'est pas dit qu'on retrouve cette maison, bien évidemment. Mais voilà, on verra un petit peu comment ça se passe. Petit Rust fort sympathique, sachant que les gens savent déjà où est notre maison, donc ça va peut-être être un peu chaud, donc peut-être qu'on en refera une encore un peu plus loin, en mode offline, pour garder un peu de surprise, parce que là, bon, il suffit de regarder les vidéos pour savoir où on est. Enfin bref, on verra ça un peu plus tard, je regarderai ce qu'on fera. Bon, dans tous les cas, nous on se teste là-dessus, les gens, on était sur Rust. Pour ceux qui aiment bien le jeu, achetez-le, ce qui est vraiment génial. Il est en alpha, certes, mais il y a du potentiel. Regarde, j'étais à 60 FPS quasi tout le temps. Donc c'était plutôt stylé. Hop, je vais juste prendre un peu de bois pour moi. Voilà, c'était plutôt stylé, le jeu marche bien, il y a pas mal de bonnes mécaniques et tout ça, donc c'est vraiment stylé. Regardez déjà ce qu'on a réussi à faire là. C'est juste splendide avec le petit campfire et tout, c'est assez hallucinant ce qu'on a réussi à faire. Et on n'était que deux. C'est un truc à savoir aussi. Normalement, enfin, des teams de Rust, on peut être une dizaine. Imaginez si on était 10, ce qu'on pourrait faire sur le serveur, ce serait vraiment un truc de cinglé. Bon, nous les gens, on va se laisser là-dessus. L'hélico. Hélico, hélico, hélico. 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 Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est côté. T'es du sablé, a dit faire beaucoup de bandages. Il est où? Je l'entends du côté des montagnes vers le désert. Oh les gens, ça je sent. Je vais faire un toit, je vais faire un toit à la baraque. Ça sent la nouvelle maison dans pas longtemps. J'entends aussi. Non mais si on reste planqué, ça va. Je vais vous monter le son du jeu. Ok, ça va, je vais faire un toit pour qu'ils ne voient pas. Vous entendez? Ça c'est pas bon les gens. Ça c'est pas bon. Vas-y. Parfait. Voilà. Faut améliorer la maison le plus possible. Oh putain, on a eu chaud, ce serait fait déchiqueter. Ouais, même moi aussi je l'ai entendu passer. Bah c'est parfait, les gens, on est toujours en vie. Donc, on se laisse là-dessus. Non, ça va, il revient pas. Merci à Vénus, Belzemuth, Lago pour le soutien. Merci à tous ceux qui ont sub, les gars. Qui ont follow. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. On se laisse là-dessus, on était avec Loïc. Loïc, plus dans le bus. Tchou! Ciao!